Alors David, c'est quoi le secret d'un shampoing réussi ? Il y a plusieurs secrets pour un shampoing bien réussi, mais avant toute chose, c'est de bien mouiller la chevelure partout, partout, partout. Et donc après, c'est de répartir le shampoing dans les deux mains. C'est très important, ça, de commencer de travailler avec les deux mains. Et on va commencer par le bas de nuque, c'est là où il y a le plus de sébum. Je vais vous rajouter un jet d'eau afin de bien pouvoir émulsionner le shampoing. Et d'une façon circulaire, les mains à plat. On va remonter tout doucement sur le haut de la tête et sans frotter. Juste les mains à plat et on fait mousser le shampoing tout doucement. Un peu comme un massage quoi. Voilà. Ensuite, pour étirer la mousse sur les longueurs, on va le faire à l'aide de nos mains tout doucement. J'ai tendance à faire deux shampoings automatiquement parce que comme le premier il mousse pas, j'ai une sensation que c'est pas très propre donc je lave toujours deux fois. Mais c'est bien d'en faire un deuxième, mais c'est pas parce que ça ne mousse pas que ça ne lave pas. Le premier va laver et le deuxième, ce qui est bien, c'est de le laisser agir, donc de le laisser poser 2 à 3 minutes. Mais c'est pas un problème, par exemple, si on a les cheveux fins ou un peu plats, de faire deux fois un shampoing ? Si, si vous le faites tous les jours, mais si vous avez les cheveux fins et que vous les lavez tous les 3-4 jours, oui, vous pouvez faire deux shampoings. Il est important de bien rincer son shampoing, ni à l'eau trop chaude, ni à l'eau trop froide. L'eau trop chaude va irriter le cuir chevelu et l'eau trop froide va empêcher de bien rincer le shampoing. On va premièrement essorer à la main plusieurs fois et ensuite on va essorer à la serviette tout doucement en tamponnant. Est-ce que je dois démêler mes cheveux avant le soin ? Le démêlage se fait après le soin. Si on démêle les cheveux avant le soin, les cheveux vont casser au passage du peigne. Donc il faut vraiment le démêler après le soin.